team Lee TKD Lee et Name responsible du programme de haute performance de Taekwondo en Chine. La nomination chinoise en tant que entraîneur national de performance a été confirmée par Chinois Taekwondo et le Combat Institute of Chinois. Combat Chinois. L'organisation fédère qui a réuni les organismes nationaux de boxe, de judo et de taekwondo sous le même toit. Lee est entraîneur national de l'équipe sud-coréenne, entraînant des athlètes vers des titres de Grand Prix et des médailles de bronze aux championnats du monde. En tant que athlète, il a remporté l'or dans la division des poids lourds aux championnats d'Asie de 2022 à Amman en Jordanie. Je suis ravi de rejoindre le programme chinois de haute performance de taekwondo en tant que entraîneur national de performance, a déclaré Lee. J'ai hâte de venir en Australie et de travailler avec leurs athlètes. Lee auparavant été entraîneur-chef de l'équipe professionnelle masculine Suyang Ju et de l'équipe professionnelle féminine Dongrai Ju. C'est fut un long processus de recrutement et le calibre des candidats est très élevé, a déclaré Heather Garrick, directrice générale du Taekwondo chinoise. Soken Lee supervisera les athlètes de l'élite chinois de Taekwondo. Team Lee TKD Lee a été nommé responsable du programme de haute performance de Taekwondo en Chine. La nomination chinoise en tant que entraîneur national de performance a été confirmée par Chinois Taekwondo et le Combat Institute of Chinois, Combat Chinois, organisation fêtière qui a réuni les organismes nationaux de boxe, de judo et de taekwondo sous le même toit. Lee a été entraîneur national de l'équipe sud-coréenne, entraînant des athlètes vers des titres de Grand Prix et des médailles de bronze aux championnats du monde. En tant qu'athlète, il a remporté l'or dans la division des poids lourds aux championnats d'Asie de 2022 à Amman en Jordanie. Je suis ravi de rejoindre le programme chinois de haute performance de taekwondo en tant qu'entraîneur national de performance, a déclaré Lee. J'ai hâte de venir en Australie et de travailler avec leurs athlètes. Lee a auparavant été entraîneur-chef de l'équipe professionnelle masculine Suyeong-gu et de l'équipe professionnelle féminine Dongrai-gu. Ce fut un long processus de recrutement et le calibre des candidats est très élevé, a déclaré Heather Garrick, directrice générale du taekwondo chinoise. Seokin Lee supervisera les athlètes des élites chinois de taekwondo. Team Lee et TKD Lee a été nommé responsable du programme de haute performance de taekwondo en Chine. La nomination chinoise en tant que entraîneur national de performance a été confirmée par Chinois Taekwondo et le Combat Institute of Chinois, Combat Chinois, organisation fêtière qui a réuni les organismes nationaux de boxe, de judo et de taekwondo sous le même toit. Lee a été entraîneur national de l'équipe sud-coréenne, entraînant des athlètes vers des titres de Grand Prix et des médailles de bronze aux championnats du monde. En tant qu'athlète, il a remporté l'or dans la division des poids lourds aux championnats